comment ça va bien pour vous aujourd'hui? Ça fait plaisir de désir de se retrouver. Pas toi, non? Assalamu alaikum, que la paix soit avec vous. Aujourd'hui, on va se retrouver sur une vidéo réaction sur le thème du paranormal. Et j'espère vraiment que vous allez kiffer cette compilation. Alors, est-ce que t'es prêt? Est-ce que t'es bien posé? Si c'est le cas, je démarre tout de suite. Alors, sans tarder, comme on dit chez moi, let's go on the Lego. Allez, bonne nuit, les amis, et bon personnage. Apague la luz. Apague la luz. Apague la luz. No deje que se lo lleve, no deje que se lo lleve, no deje que se lo lleve. Ponelo en la cama bien, ponelo en la cama bien, ponelo allá bien, güey. Subilo, subilo. Dalo ahí, dalo ahí, ahora ya quieto. Suéltalo. No, 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 se lo lleva, no se lo lleva, no se lo lleva. Ey, suéltalo ya. Déjalo. Oh, t'as vu son pied, comment il s'est déporté? Ouais, c'est un truc de fou. Elle s'est fait tirer, elle est obligée. Sí, es que mira. Déjalo quieto. Sí, lo tiene, mira cómo lo tiene rojo. Que uno no lo suelta, weón. Tiene que dejarlo. Ahí lo tiene cogido, ahí lo tiene cogido. Mire, mire, que ya no lo puede llevar, tan weón. ¿Cómo lo va a llevar? Ya no lo va a llevar, la mano va a llevar. Ya, déjelo. ¿Cómo crees tú? Así, así. Ey, que lo deje quieto. No, no se lo va a llevar, no se lo lleva. Déjalo quieto. Así mismo lo jala, mano. Déjalo quieto. Ey, en el nombre de Cristo te digo que lo dejes quieto. ¿No escuchas? ¿Puedo escuchar? ¿No? Ah, no lo vas a dejar quieto. Déjalo quieto. Lo quiere llevar. Cruz, cruz, la oración, cruz, soltalo. Suéltalo, suéltalo. Ey, suéltalo ya. Ve. Déjalo, tranquilo. Chelo, para acá atrás. Suéltalo, déjalo. Espere, espere, que ya no lo puede llevar. ¿Cómo lo va a llevar? Con la mano allá, loco. Se saque agarrada, loco. No, cuando lo lleve, déjalo quieto. ¿Para qué? ¿Solo puedo grabar? No, ¿cuál grabado, po? Déjelo ya, déjelo. ¿Cómo crees que? Si je me trompe pas, la séquence qu'on vient de voir ensemble, c'était un soldat qui subissait une sorte d'attaque. Et c'était vraiment flippant. Il n'y a pas quelqu'un devant ?
Avery. Out. Out. À son visage. Avery. Out. Out. Oh, t'as vu son visage. Et le pire, il n'y avait pas que son visage qui était flippant. Il y avait aussi son bras. Je sais pas si t'as fait attention, mais il y avait aussi son bras. Ouah, cette séquence a été vraiment méga flippant. En tout cas, pour moi, c'est comme ça. Il y avait un truc qui passait là. Truc qui est passé. Je suis pas fou. Mais j'ai flippé là. Moi, oh, comment j'ai flippé. C'est pas pour dire, mais j'ai flippé sur ces séquences. C'est pas l'image qui m'a fait peur, c'est le son. C'est pour ça que j'ai eu peur. En tout cas, j'espère vraiment que vous avez aimé ces séquences. J'ai fait la connaissance d'un homme. On a échangé par message pendant un mois. Un mois, on s'envoyait tous les jours des messages. Jusqu'au jour, il m'a demandé des photos de moi. Il me disait, ouais, tout, t'es super jolie, j'aime beaucoup. T'es mon style de femme. Il m'a envoyé des photos de lui également.
C'était quelqu'un de bien, trop d'atomes crochus en point commun. C'était quelqu'un que j'appréciais vraiment. Un beau jour, il me dit bon, ben écoute, maintenant, Zeina, il faudrait qu'on se voit. Oui, c'est vrai, t'as raison. Il faut qu'on passe à l'étape supérieure et qu'on se voit en vrai. Je prends ma petite voiture, je me fais belle. On se donne rendez-vous devant la mer, au Prado à Marseille. Et moi, j'ai un peu peur, je vous avoue, parce qu'il fait nuit noire et que c'est devant la mer et qu'il n'y a personne. Je le vois arriver en voiture. Je suis restée dans ma voiture. Je lui ai fait signe, je lui ai dit, c'est toi qui viens. Il est monté dans ma voiture. Il me regarde. Il me dit, Selem, ça va, tu vas bien, ça me fait plaisir de te voir. Moi, je dis, ouais, ben moi aussi, franchement, il était comme sur les photos, c'est un bel homme, il s'exprimait bien. D'un coup, il me dit, par contre, j'ai quelque chose à te dire. Est-ce que tu crois au djinn, au shaitan? Et moi, je le regarde, je commence à trembler. Je dis, mais pourquoi tu me parles de ça, en fait? On est devant la plage, il fait nuit noire, on n'est que tous les deux. Pourquoi tu me parles de ça? Et après, il me dit, non, mais comme ça, je te dis, est-ce que tu y crois? Je dis, bah oui, j'y crois. Quand je lui dis que j'y crois, il commence à faire des bruits bizarres. Il commence à faire des bruits comme de djinn, en fait. Il commence à faire des bruits chelous dans ma voiture. Je pourrais même pas vous les imiter, les filles. Il commence à faire des bruits de djinn. Là, je commence à le regarder. Les filles, j'ai eu la peur de ma vie. Je me dis, ah, t'es sûre, hein, t'y crois, hein? Après, il commence à rigoler. Ah, t'y crois au fantôme? Ah, je me suis dit, c'est un chétan, en fait. C'est pas un vrai homme. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, on m'a toujours dit ça. Quand t'as peur des djinns, tu mets du Coran. Je commence à augmenter le volume. Et là, le Coran qui passe et il commence à encore plus faire le fou. Ah, mais qu'est-ce que tu mets? Pourquoi tu mets ça? Là, je me suis dit, je vais mourir ce soir. Ce soir, c'est le soir de ma mort. Et là, il me dit, mais pourquoi tu mets? Qu'est-ce que tu mets le Coran? Pourquoi tu mets ça? Il commence à s'exciter, à faire des bruits de chétan. Et moi, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu me fais là? Il commence à crier. Moi, je tremblais. Je vous jure, j'ai les frissons juste de le raconter. Ça me fait trop remonter des frissons de fou. J'ai trop flippé, les filles, mais vraiment. J'ai trop flippé et après, je vais sortir, laisse-moi sortir. Non, et il prenait une voix de chétan, il dit non, tu sors pas. En fait, moi, je mettais le Coran parce que je me suis dit, c'est un chétan avec moi. Augmenter le volume et quand j'ai augmenté le volume, que je mettais le Coran, il s'excitait, il criait. Et après, je le regardais, je pleurais, je disais, c'est ok, d'accord. Je rebaissais le volume, j'enlevais le Coran. Ça y est, à tout moment, il me met un coup, il m'assomme. Je vais vous raconter comment j'ai réussi à m'en sortir, ce qui m'a sauvée. D'un coup, je vois des lumières dans ma voiture. Des grosses lumières, des lumières blanches à l'intérieur de ma voiture. J'ai dit, ah non, il y a des chétans. Je dis, arrête, je crie, arrête, mais qu'est-ce que tu fais? Arrête. On tape à ma vitre comme ça. Je commence à sortir de ma voiture. Je sors. On me dit, police, madame, police. Et moi, en fait, je pensais pas qu'il y avait des policiers. J'avais peur. Du coup, je commence à sortir de la voiture. Je commence à vouloir courir. Le policier me rattrape et il dit, police, madame, police, arrêtez-vous. Et là, je le regarde. Comme j'étais dans un truc de fou, j'ai pas compris que c'était la police, j'ai pas capté. J'ai dit c'est des djinns police. Et là j'ai réalisé, quand ils m'ont dit plusieurs fois. Et là j'ai dit, monsieur, j'ai commencé à gueuler comme une folle. Monsieur, prenez-le, c'est un fou. Ils ont fait le tour du véhicule, ils l'ont attrapé, ils ont dit, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Et après le mec il dit, mais rien. Et il est redevenu normal. Les policiers m'ont regardé, m'ont dit, madame, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez? Il se passe quoi en fait? Et j'ai dit, un fantôme. Le contrôle, lui, il est redevenu normal. Il est redevenu normal. Ah non, pas du tout, messieurs, pas du tout. C'est elle la folle, je sais pas ce qu'elle raconte. Moi, j'ai regardé un policier, j'ai dit, excusez-moi, je vais me barrer. J'ai pris mon véhicule, je suis rentrée chez moi, je pleurais toute la route, je pleurais toute la route comme une folle. Je me suis dit, là, c'est un film, ce qui vient de se passer, c'est pas réel. Et en fait, le lendemain, les filles, je reçois un message. Il me fait un vocal. Il fait ha ha ha, mort de rire. Tu crois vraiment que je suis fou? Tu crois vraiment que je suis un djinn, que je suis un chétan? Mais mort de rire, mais t'es vraiment bête. Ah, mais qu'est-ce que tu es bête, hein? J'ai fait tout ça pourquoi? Parce que tu me plaisais pas. Hein? Est-ce que vous y croyez, les filles? Il m'a dit, j'ai fait tout ça et tout. Je t'ai parlé comme ça et tout parce que tu me plaisais pas, que t'as rien à voir avec tes photos. Et du coup, bah, je devais me débarrasser de toi. Est-ce que vous croyez que c'est la vérité? Ouais, c'est une histoire de dingue, là, ce qu'elle vient de nous raconter quand même. Hein. Alors, premièrement, je pense quand la police elle a dû intervenir, ils ont dû prendre la fille pour une folle et le mec normal, comme elle l'a expliqué. Et deuxièmement, l'excuse qu'il a sortie, pour moi, j'y crois pas. Mais ce que je dis là, ça tient qu'à moi, hein, parce que celle-là, je l'ai jamais entendue. Guys, I'm really freaked out. All that along the bottom of the TV is on because the TV just turned back on by itself. I started recording because the TV turned off by itself.
Moats are sitting right there. I made myself a coffee. I'm really freaked out after what happened in the kitchen with the fridge. I turned on my tree lights. I'm just sitting here with my coffee. A little after 5 in the morning, trying to relax, and my TV... Hello? Merci les amis d'être arrivés jusqu'ici. Ça fait plaisir en deux zézirs. En espérant que cette vidéo ça vous a plu. Et si c'est le cas, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Grosse force à vous, prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite.